Plaza Paris Info, tout le monde est d'accord, votre site de référence. Donc aujourd'hui dans notre reportage, comme vous avez le constaté, on a interviewé l'avocate de M. Ali Ben Bongo. Et là nous avons le représentant de M. Jean Ping. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. M. Essono Ondo, pourquoi M. Jean Ping veut le comptage des voix? Monsieur Jean Ping veut le comptage de voix pour une raison simple. Il se trouve que le 27 août dernier, les Gabonais sont allés massivement voter dans le calme et la sérénité. Cette élection a vu une victoire sans faille de Monsieur Jean Ping. Monsieur Jean Ping est arrivé vainqueur de cette élection sur les neuf provinces que compte le Gabon. Il est arrivé vainqueur sur les sept provinces. Il se trouve que la province du Wotogwe, province originale dont est issu M. Ali Bongo Ondimba, le gouverneur de cette province n'a pas voulu jouer le jeu démocratique, c'est-à-dire qu'il n'a pas transmis les procès-verbaux à temps pour pouvoir permettre la centralisation des résultats de l'élection. Ayant détenu ces informations, ils ont corrompu des membres de la commission provinciale, de la commission électorale, la CENAP. Ils ont modifié les suffrages de M. Jean Ping. Ils ont donné M. Ali Bongo vainqueur en tripatouillant les chiffres, notamment le taux de participation. Il s'avère, pour la première fois dans l'histoire des élections en Afrique, on a un taux de participation qui frôle les 100%. En l'occurrence, 99,99%. Cela signifie clairement que les électeurs du Wotogwe, tous les électeurs du Wotogwe sont allés voter, ce qui est absurde. Il y a des malades, il y a des déplacés, il y a des gens qui, pour X raisons, ne peuvent pas se présenter. La preuve, en chiffres, dans la province du Wotogwe, nous avons des villes qui sont totalement acquises à l'opposition, dont les maires sont issus de l'opposition républicaine, notamment des partis comme l'Union nationale, le parti du président Zakari Mimboto. Zakari Mimboto, qui est lui-même originaire de la province du Wotogwe. Il est originaire de la ville de Monda. Il est absurde de constater qu'à Monda, il y a eu 12 000 inscrits à Monda, qui est une ville du Wotogwe. Il y a eu 12 000 inscrits et il y a eu 2 200 abstentions. D'accord, on a compris ce volet. Monsieur Essongo Ondo, vous êtes le porte-parole de Jean Ping à Paris. Mais dès la fermeture des bureaux de vote, on a entendu Jean Ping se dire vainqueur. Comment a-t-il fait pour savoir qu'il était déjà le vainqueur dès la fermeture des bureaux de vote? Jean Ping ne s'est pas autoproclamé vainqueur dès la fermeture des bureaux de vote. Les bureaux de vote ont fermé dans certains centres de vote à partir de 20h, 21h pour certains. Et à minuit, le porte-parole du gouvernement gabonais, M. Alain-Claude Bilibinze, est venu faire une déclaration dans laquelle il disait clairement que son candidat, Ali Bongo, était en tête des intentions de vote. Avant la Cour constitutionnelle. Avant tout. Avant la Cour constitutionnelle, avant la CENAP, avant tout le monde. Alors que nous savions, nous, qui étions dans les bureaux de vote, puisque la loi électorale nous oblige à détenir une copie du procès verbal de centralisation par bureau de vote. Nous détenions donc les procès verbaux et nous savions clairement par bureau de vote dans chaque centre que Jean Ping était sorti vainqueur. Vainqueur dans les sept provinces, vainqueur dans la diaspora. La raison pour laquelle, le lendemain, après les élucubrations de M. Alain-Claude Bilibinze, le président Jean Ping a tout simplement rétabli la vérité des urnes. Monsieur Essono Ondo, quand on voit la crise gabonaise aujourd'hui, peut-elle être similaire à celle de la Côte d'Ivoire? Le Gabon n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, il y a un pays, deux présidents. Le Gabon n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais il y a un pays pour deux présidents. Il n'y a pas deux présidents.
il y a un usurpateur, il y a un faussaire, il y a une personne qui s'est autoproclamée et il y a un président qui a été plébiscité par le peuple gabonais. Aujourd'hui, le Gabon est dirigé par Ali Bongo Ondimba qui n'a plus la légitimité populaire et la légitimité démocratique pour se présenter comme le président du peuple gabonais, puisque ce peuple-là a clairement manifesté sa volonté de changement et de rupture avec le système incarné par M. Ali Bongo Ondimba. Mais qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs, ceux qui sont contre Jean Ping, qui disent que Jean Ping est conseillé par les anciens caciques de la France-Afrique, dont M. Bourget, les porteurs de mallettes? Moi, j'aime pas trop cette expression. L'expression qui consiste à dire que lorsqu'on a un ami qui a un peu de réseau et de relations, il s'agit de la France-Afrique. Monsieur Ali Bongo est conseillé par qui? Vous avez interviewé son avocate. Il n'y a pas d'avocat au Gabon. Pourquoi il vient chercher une avocate en France? Qui est réellement acteur de la Centrafrique? Ali Bongo est né dans la France-Afrique, si on veut parler de France-Afrique. Il y a des milliers d'avocats talentueux au Gabon. Pourquoi M. Ali Bongo ne confie pas sa défense à un avocat gabonais? Est-ce que vous ne pensez pas que Jean Ping a fragilisé un peu sa situation en allant un peu trop vite en besogne face à cet adversaire connu de lui depuis tout le temps? Ils se connaissent, les deux hommes se connaissent, donc l'un connaît les faiblesses de l'autre et vice-versa. Pourquoi s'est-il jeté sans protection, grande protection dans la gueule de Ali Bongo, si on peut le dire? Non, moi je rectifie. Soyons sérieux. M. Jean Ping est un responsable politique d'une grande expérience nationale et internationale. Monsieur Bongo est un enfant gâté à qui on a confié le pouvoir et qui n'a jamais su rien gérer. Nous le savons tous. Et la preuve de son septennat prouve que ce monsieur n'avait aucune expérience pour prétendre à être chef de l'État. Jean Ping ne s'est jamais jeté et ne peut pas se jeter dans la gueule du loup, puisque la gueule Ali Bongo n'est pas un loup pour Jean Ping. Il ne peut pas l'être. Pour le moment. Mais pour le moment, c'est Ali Bongo qui s'est dit victorieux, qui est encore au palais, et que Jean Ping a été retenu chez lui, les autres quasiment incarcérés à QG, et que c'est le drapeau gabonais flotte au palais du Gabon, à Libreville, au-dessus de Ali Bongo, pas de Ping. Il faut pas confondre la réalité et le fantasme. Monsieur Ali Bongo n'est plus du tout président de la République gabonaise à l'heure où nous vous parlons. Y a-t-il une deuxième cour constitutionnelle au Gabon? Monsieur Ali Bongo s'est autodéclaré. Monsieur Ali Bongo a mis l'armée dehors. Monsieur Ali Bongo, aujourd'hui, est l'ennemi du peuple gabonais. Parce qu'il tire à balles réelles sur le peuple gabonais. Il ordonne et a engagé des milices pour tirer sur des populations aux mains nues. Ce monsieur ne représente plus rien au Gabon. C'est quelqu'un qui aujourd'hui s'est transformé en chef de guerre, tout simplement. Mais monsieur Essono Ondo, quand je pense à je revois les vieilles images, monsieur Ping était celui qui avait dit à Gbagbo de ne pas compter, qui est pas recomptage. Pourquoi lui le demande aujourd'hui? Parce que c'est en sa faveur. En Guinée et Ndamna, il a déconseillé à Seydou Dalin de demander le comptage ou le recomptage des voix. Et il est dans une posture qui fait qu'il est le premier aujourd'hui pour ces élections gabonaises où il prend part à demander le comptage des voix. Le comptage de voix n'est pas prévu par la loi gabonaise et il n'est pas interdit non plus. Compter les voix, c'est un procédé qui relève d'une jurisprudence constante de la Commission nationale électorale au Gabon. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'il y a une fraude massive et que la communauté internationale, toute la communauté internationale, j'entends par là la France, les Nations Unies, l'Union africaine, le département d'État américain et certains partenaires du Gabon ont demandé les observateurs de l'Union européenne,
pour la première fois au Gabon, nous avons eu près de 150 observateurs de l'Union européenne. Ils ont, dans leur rapport préliminaire, dit que l'élection ne s'était pas passée selon les standards internationaux, que cette élection, notamment ce qui s'est passé dans le Haut-Ogooué, méritait effectivement qu'on procède au recomptage des voix. Mais dans, le camp Bongo dit que le recomptage n'est pas prévu par la Constitution et que la Cour constitutionnelle, qui est l'organe juridique suprême, a décidé qu'il n'y a rien à faire. D'autre part, quand vous parlez de la France qui demande ce recomptage, il y a une personnalité politique importante de la France qui ne le demande pas, qui s'est précipitée à féliciter Ali Bongo. Je veux parler de Sarkozy. Sarkozy, chère madame, pour lequel j'ai du respect. Et Sassou et Déby aussi. Hein. Pour lequel j'ai du respect pour les fonctions qu'il a occupées. Vous n'êtes pas sans ignorer le rôle que ce monsieur a joué dans la crise gabonaise actuelle, en 2009. Donc les déclarations de Sarkozy aujourd'hui, qui ne représentent aujourd'hui en France plus rien du tout, puisqu'il n'est ni chef d'État, ni membre du gouvernement de la République française, encore moins député et encore moins président de son parti politique. Il aspire à une candidature qu'il n'aura peut-être pas. Donc ces déclarations, pour nous, n'ont aucun effet. Et vous n'avez pas répondu à la première question. Laquelle ? Quand je vous ai dit que la Cour constitutionnelle a dit qu'il y avait que la question du comptage des voix n'était pas prise en compte. Et je ne suis pas. Jean Ping s'évertue-t-il la cour, ce qui n'est pas prévu par la Cour constitutionnelle n'a pas été saisie sur cette question à l'heure où nous vous parlons. La Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée sur cette question à l'heure où nous vous parlons. Nous, la position qui est la nôtre et qui est celle de la communauté internationale, c'est d'amener les responsables politiques sur une table à la CENAP, là où tout a commencé, pour recompter, afin qu'on ait plus de lisibilité et qu'on soit que l'apaisement arrive. Nous, l'apaisement au Gabon passe par le recomptage, parce que c'est ce que nos partenaires exigent. Après, il y aura certainement, après ce recomptage, si Jean Ping n'est pas élu ou s'il n'est pas proclamé élu après le recomptage, on pourra à ce moment-là exercer les voies de recours constitutionnelles. Monsieur Essengo Ondo, les pro-Ali disent ceci. Jean Ping, il avait un projet depuis très longtemps d'embraser le pays. Ils ont utilisé un mot que je peux qualifier de grand mot. Il a utilisé la Légion étrangère pour embraser le pays. Vous qui êtes son porte-parole, qu'est-ce que vous répondez concrètement au peuple gabonais et au peuple africain en particulier ? Monsieur Jean Ping a été pendant un certain nombre d'années président de la Commission de l'Union africaine. Et à ce titre, il a résolu des crises en Afrique, au Soudan et dans d'autres pays. Il a essaimé la paix. Jean Ping était un homme de paix et de dialogue. Dans sa déclaration, il a dit « Je veux la réconciliation des enfants du Gabon. » Des enfants du Gabon. Rien d'autre. Travailler avec tous les enfants du Gabon, quel que soit ce qu'ils ont fait. Donc Jean Ping ne peut pas embraser le pays. Jean Ping n'a pas d'armes, Jean Ping n'a pas d'armée, Jean Ping n'a pas recruté comme Ali Bongo près de 3000 miliciens qui viennent de certains pays dont je ne peux citer le nom ici pour des raisons particulières. Nous pensons que c'est le peuple gabonais qui est debout aujourd'hui et qui réclame le respect de sa souveraineté, qui veut que son vote soit respecté pour une fois. Pendant 47 ans, les Bongos nous ont confisqué notre capacité à décider de l'avenir de notre pays. Et selon Wondo, Lionel, et ça ne va pas s'arrêter. Lionel, ne trouvez-vous pas assez ou même très dégradant que Monsieur Bourgi dise à propos de Jean Ping que s'il avait consulté lui, Bourgi, Jean Ping aurait gagné aux élections? Est-ce que c'est pas un peu trop condescendant? Est-ce que c'est un étranger du Gabon qui devrait tenir de tels propos à propos d'un candidat sûr de lui de gagner avec les moyens locaux sur place? Non, je pense que là, on tombe un peu dans la fabulation, Monsieur Bourgi. Il l'a dit. Monsieur Bourgi, je n'ai pas pris connaissance de ses propos et je ne pense pas que, connaissant un peu Monsieur Bourgi, qu'il soit capable d'avoir de tels propos à l'endroit de Monsieur Jean Ping. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, Bourgi,
qui a largement contribué à faire venir Ali Bongo au pouvoir en 2009. Et comme beaucoup de Gabonais qui ont essayé et qui ont voulu faire confiance à Ali Bongo, extrêmement déçu parce qu'Ali Bongo s'est enfermé au monde, s'est enfermé aux Gabonais, et qu'il a vécu 7 ans dans une bulle avec ses amis, son directeur de cabinet est béninois d'origine, son chef de cabinet est somalien d'origine, son aide de camp particulier est coréen, toute son administration est d'origine étrangère, qui en réalité a donné la part belle au Gabon à la Légion étrangère. C'est bien M. Ali Bongo. C'est d'ailleurs ce que lui reprochent certains membres de l'entourage de son père, issus de sa province d'origine. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il est invraisemblable de considérer que Ali Bongo peut avoir un score de 99% dans la province d'origine de son père, dans la mesure où il a mis tout le monde au régime sec pour donner les privilèges à ses amis qu'il a amenés de ça et là. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le peuple gabonais exige le respect du vote qu'il a accordé massivement à M. Jinping pour reconstruire le Gabon nouveau, pour une rupture avec les pratiques du passé. Une dernière question pour moi, M. Essongo. Essono Ondo, une dernière question. Vous qui êtes le porte-parole de Ali Bongo. Non, pas du tout. Je recommence. Vous qui êtes le porte-parole de Jinping, Monsieur Lionel Osono Ondo, entre la paix au Gabon et le maintien de Jinping dans la posture où il se réclame président, qu'est-ce que vous préférerez si au cas où Ping n'insisterait pas, si ça peut apporter la paix, est-ce que vous êtes prête à abdiquer pour la paix au Gabon? Madame, cette question est un peu embarrassante dans la mesure où je ne comprends pas vraiment son sens. Mais je vais répondre. Non, je reprends alors. C'est-à-dire, tout ce que je veux dire, c'est... si la paix passe par l'abdication de Jinping, est-ce que vous lui conseillerez de ne pas insister? Madame, nous sommes en train de parler de démocratie. Et en démocratie, ce n'est pas le gagnant qui abdique. En démocratie, c'est le perdant qui abdique. Monsieur Ali Bongo a brillamment perdu cette élection. Il est normal que s'il veut préserver la paix du Gabon, la paix du peuple gabonais qu'il dit tant aimer, c'est à lui de reconnaître devant les instances internationales, devant la communauté nationale, j'ai perdu, il est temps que je m'en aille. C'est tout ce que nous lui demandons. Ali Bongo a perdu l'élection. Si je viens chez vous, je vous séquestre, et puis finalement, grâce à des pressions de ça et là du voisin, j'accepte de vous libérer. Vous devez me dire merci? Non. Si je suis la victime, vous êtes l'agresseur. C'est à l'agresseur de prendre conscience qu'il est en train de violer les droits fondamentaux, essentiels du peuple gabonais. Parce que le premier droit de l'homme, c'est la liberté de conscience, la liberté de choisir ses dirigeants. Et au Gabon, Ali Bongo viole, le pouvoir Bongo viole ce droit depuis des décennies. Cette fois-ci, nous disons non, ça ne passera pas. Monsieur Lionel Essono Ondo, votre mot de la fin, s'il vous plaît. D'abord, merci pour cette interview. Au peuple d'Afrique, au peuple du Congo, au peuple du monde, nous pensons, nous, membres de l'opposition gabonaise, que nos États sont suffisamment matures et que nos peuples sont suffisamment intelligents pour décider de leur destin. Le peuple gabonais a décidé de placer son destin entre les mains de M. Jinping. Ce choix n'est pas négociable, ce choix ne peut pas être bafoué parce que notre pays a besoin de renouveau, a besoin de reconstruction, notre pays a besoin d'un homme capable de le redresser et de l'accompagner vers la modernité. Nous ne pouvons pas entrer dans l'histoire en reculant. On ne peut pas changer, on ne peut pas décider de s'imposer au peuple à travers des coups d'État électoral permanents. On ne peut plus continuer
aujourd'hui, nous qui sommes nés sous la dictature de Omar Bongo, qui avons grandi et qui sommes aujourd'hui des cadres responsables, nous ne pouvons pas accepter une seconde forfaiture de M. Ali Bongo Ondimba. Le Gabon et les Gabonais sont mobilisés et vont l'être jusqu'au départ de M. Ali Bongo Ondimba. C'était le mot de la fin. Braza Paris Info, expert en exclusivité, expert en images exclusives. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Merci. Merci à vous, Braza Paris Info. À très bientôt. Bonne continuation. Merci.